négociations très importantes s'ouvrent dans notre secteur ce mois-ci. Négociations entre les syndicats, la direction des entreprises, de la branche, et le gouvernement concernant les activités sociales à EDF. Ces activités sociales sont intimement liées au statut national issu de la loi de nationalisation de 1946. C'est tout ça qu'il faudrait remettre en cause lors de cette négociation pour les directions et pour le gouvernement. Et pour ce faire, il faut commencer par un bout. Ils ont choisi la restauration méridienne, les cantines. Il faudrait transférer en bloc la gestion des cantines, de la restauration, de la CCAS, c'est-à-dire faite par des agents des activités sociales, vers le privé, vers Sodexo par exemple. Dans l'instance nationale de la fédération CGT où j'étais jeudi, une discussion s'est engagée. Parce que la proposition faite par la direction fédérale de la CGT, c'était d'accompagner ce transfert. Beaucoup de militants, dont je fais partie, se sont opposés dans cette réunion à tout transfert vers le privé. Mais force est de constater que la direction de la fédération CGT a tenu à maintenir sa proposition. Je pense qu'il est positif dans cette situation que 25% des présents aient voté contre cette orientation. Cela nous ramène à la question de la rupture. Aujourd'hui, qui ne pose pas complètement et jusqu'au bout la question de la rupture avec la politique du gouvernement dans tous les domaines, avec l'Union européenne et ses directives, sera amené peu ou prou à accompagner les plans du gouvernement.